Hello! Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Crash Bandicoot sur PlayStation avec cette fois-ci le boss qui s'appelle Pinstripe. Ou Pinstripe, je sais pas ce que ça veut dire en français, hein. Et après tout, je m'en fous un peu. Donc voilà, c'est parti. Donc c'est pas un boss qui est difficile, hein. Ça devrait être assez rapide, hein, je pense. En une fois, peut-être en deux fois, on verra, mais vous voyez que voilà, donc en fait vous me... Bah si j'ai peut-être touché. Vous le touchez seulement quand il doit se recharger. En plus vous avez vu qu'il est absolument fan de... Donc là il y a la photo de lui à gauche, mais il est absolument fan de Cortex ce type. Puisqu'il a une grande photo là à droite de... du docteur Neo Cortex. Il est en total love avec lui. Ça ne nous regarde pas, écoute, tu fais ce que tu veux de ta vie, hein, on s'en fout. Hop hop hop, attention, il lui reste plus que 2 points de vie en plus. Donc ça devrait être fait, oh là là, rapidement, allez. Cortex a de la barbe. Hop, plus qu'1 point de vie. Donc ça devrait être fait, attention, ça devrait être vraiment rapide. Ah non, il m'a touché encore une fois, mince, je pensais que ça aurait été bon, mais non. Là, il se recharge, et donc je pique, et c'est un... Non, game over. Ah non, enfoiré, non. Je pensais que c'était bon, moi. Attends, il est en train de se recharger et tout, là, eh. Bon, bah, tant pis, hein, écoutez, on recommence. De toute façon, c'est pas un boss qui est compliqué, donc c'est pas grave. Par contre, c'est bientôt la fin, j'ai remarqué que c'est bientôt la fin, on est déjà sur la 3ème île. Et qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos, je suis désolé, c'est un peu dommage. Je pensais vraiment faire une dizaine de vidéos, au moins. Donc je suis surpris et déçu, quoi, d'être arrivé aussi loin, en si peu de temps. Je sais, j'aurais pu mourir plus, hein. J'aurais pu également faire du jeu à 100%, mais bon, connaissant mon talent pour ce jeu, voilà, on sait jamais. Donc je ne préfère pas tenter le diable. Alors, donc là il y a un peu de points de vie. Donc je ne ferai pas, hein, le 100% pour ce let's play. Par contre, pour Crash Bandicoot 2, hein, je ferai le 100%. Hein, je le répéterai dans Crash Bandicoot 2 quand je ferai la vidéo de présentation classique, hein, comme je fais d'habitude. Mais je ferai sans doute 200% pour ce jeu. Je ferai au moins l'effort. Puisque vous avez eu un premier Crash Bandicoot du nom, alors c'est un game over pour Pinstripe. Bye bye mon grand. Donc nous retournons à la carte. Donc là nous avançons à The High Road. Donc The High Road, c'est la route haute, quoi. Voilà, je vois pas comment vous pouvez traduire ça. Donc là il y a un petit passage entre guillemets bonus secret. Ouais, donc c'est ici, voilà, c'est un peu à l'aveugle. Je suis d'accord, c'est un peu un passage à l'aveugle. Donc là vous voyez que j'ai refait le plein de vie, donc c'est sympa. Voilà. Et non. Je pensais qu'il y avait encore un passage, mais apparemment je ne sais pas, mais j'ai pas envie de tenter le diable pour ça, hein. Voilà. Oh punaise, j'ai sauté un peu trop tard. Un peu trop tard, c'est pas grave. Bon, de toute façon en même temps j'ai fait le plein de vie, donc vous allez dire c'est pas ça qui me manque. C'est pas la vie qui me manque. Allez. Je vous disais aussi, mince, ça va pas passer en fait. Et ben non, c'est pas passé. Bon. Je pourrais utiliser encore une fois, hein, le bug des cordes, mais je ne le ferai pas parce que je ne suis pas quelqu'un comme ça. Bon, à la limite, si je meurs et qu'il me reste plus beaucoup de vie, je peux toujours le tenter, mais voilà, quoi, là, je ne le ferai pas en temps normal. Ah non, c'était pas assez, bon, c'est pas grave. Ouais. Ah putainaise. Un peu trop loin cette fois, bon, c'est vraiment... C'est vraiment ça qu'il faut... C'est vraiment ça qu'il faut en fait bien doser dans ce jeu, c'est vraiment le... C'est vraiment le... Doser ses sauts et compagnie. C'est vraiment ça qu'il faut bien savoir et tout. Voilà. Enfin, faut dire que la caméra n'aide pas non plus, hein. La caméra et les ombres n'aident pas non plus. Donc voilà. Yes, alors qu'il y a un checkpoint, youpi. Ah, une première cartouche de Taona. Taona qui ne sert à rien dans Crash Bandicoot 1, ah, mais c'est pas grave, c'est pour ça. Ah! Ok, je marchais dans le vide. Je marchais dans le vide, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je disais donc que Taona en fait ne sert absolument à rien dans le jeu, si ce n'est à nous donner des niveaux bonus et vers une fin alternative, même si bon la fin alternative est vraiment pas des plus intéressantes scénaristiquement, on va dire ça comme ça. Hein.
Voilà. Hop, hop, on y va dans les... sur les ventes de tortues, voilà. Boum. Et bah c'est un fail à nouveau, écoutez, alors j'arrête pas de me... Oh non, le fail! Ah non! Ah non! Alors celui-là, il est pas mal. Je sais pas, je devrais faire un best... Non, pas un best-of, mais je veux dire, je devrais... Ah, j'ai reçu une Wumpa, ok. Je sais pas, je devrais faire un Wumpa Award, ouais, non. Je devrais faire un fail Award, c'est pas un truc dans le genre. Bon, c'est sûr que Oswald récupérerait tous les trophées, tous les suffrages, donc voilà. Mais j'avoue que c'est vraiment pas mal. Ce fail là, il est absolument extra. Il vous arrive des choses comme ça, vous comprenez pas pourquoi, et ben cherchez pas à comprendre, voilà. C'est... Ah bah voilà, ok. Bon, par contre, je devrais peut-être me concentrer un peu parce que je n'arrête pas de mourir. Ouais, donc là vous avez vu, je suis un peu sur le bord, mais bon. Allez, une de plus. Bon. C'est pas grave. Putain. Bon, et là j'essaie de passer par les cordes, je n'y arrive pas. Bon. S'il te plaît. Voilà. S'il te plaît. Donc on y va tranquillement, voilà, on traverse sagement. Je me casse la tête à passer dans les cordes. Et je meurs encore ridiculement. Faut le faire ça non plus. Quand même. Allez. Non plus. Bon, et ben, il me reste encore quelques vies. Ben, je vais en récupérer une très bientôt. Ouh, attention. Oui, donc lui, il est en train de... Oh, voilà, en plus, il marche à moitié dans le vide. Yes, une vie, yes. En plus, j'en récupère encore une, donc c'est génial. Et une deuxième caisse. Une deuxième cartouche de Tauna. Et non, c'est perdu. Essaye encore. Bon, et ben, écoutez, voilà, on continue, toujours dans ce niveau. Bon, par contre, oh punaise, mince. Ouf, j'arrête pas de mourir depuis tout à l'heure, bon sang. C'est pas possible. Je savais que ce niveau était assez... Wow, assez long, mais alors là, il est en train de battre un peu... Enfin, pas des records, non, mais... C'est un niveau assez long, quand même. En même temps, vous me direz, c'est le dernier monde, donc forcément, vaut mieux que les niveaux soient longs, hein. C'est ce qu'on demande, nous, de la longévité dans les jeux de plateforme. Bon, 20-30 niveaux, c'est bien, quoi. C'était bien dans les jeux pour l'époque. Mais j'avoue que ça aurait... Oh, punaise! Oh, je me suis fait exploser! Exploser. Littéralement exploser. Donc, j'avoue que c'est dommage, hein, qu'il y ait vraiment pas plus de niveaux. À l'époque, c'était bien, mais voilà. Maintenant c'est... Voilà, je suis parti un peu n'importe où là. J'ai parti n'importe où. Non, je vais quand même le récupérer. Donc c'est dommage, hein. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait beaucoup plus de niveaux. Hein. Par exemple une cinquantaine ou une centaine, j'aurais vraiment aimé. Adoré. Donc j'aime bien les jeux de plateforme comme ça, des longévité, surtout quand c'est des jeux de ce genre là. Des jeux super comme ça, je vais vraiment pas envie que ça se termine. Siren. Mince, putain. S'il y avait à la limite un éditeur de niveau, je sais qu'il y en a un pour Oddworld et pour Rayman aussi, mais pour Crash il ne semble pas qu'il y en ait. Enfin pour Rayman c'est sur PC il me semble, ouais. Mais je n'ai pas essayé Rayman sur PC, je ne le ferai pas. Donc oui. Donc je pense pas qu'il y en ait justement pour Crash Bandicoot puisque ça a été fait sur PS1. Mais voilà, c'est un peu... Ah, une dernière cartouche de Tauna, voilà, niveau bonus. Donc, je regrette un peu qu'il n'y ait pas de... Level éditeur pour ça, hein, qu'on peut ensuite porter sur PC. C'est un peu dommage, enfin bref. Donc là, niveau bonus, voilà, je peux... Petite section pour la route, voilà. Passe le bon, ça craint un peu tout ça. Allez, bon bah, écoutez, all out state. Voilà, hop, et que boum. C'est le genre de niveau bonus, je vous l'avais dit, c'est le genre de niveau bonus que je déteste, hein. C'est vraiment casse-cou ce genre de choses. CF7 évidemment, si j'ai pas envie de me retaper tout ça. Allez! Hey, mort débile! Allez, mort débile! On recommence. Alors, se prendre deux fois la même mort, c'est quand même fort ça, hein. Oh. Y'a qu'à moi que ça peut arriver de mourir deux fois bêtement de la même façon. C'est... c'est comme ça, ça arrive.
Et ben voilà, j'ai fini le bonus round, et donc le password, et le... continue. De retour dans la haute route. Boing. Allez, il y a un trou, faut que je tombe dedans. Faut le faire ça, il y a pas d'écart et pourtant il faut encore que je tombe dedans. Quoi. Oh, alors là j'ai super bien dosé mon saut. Ding. Yes, et... niveau complété. Yes. Youpi, ya, youpi, youpi, yay. Slippery climb. Climb, il me semble que c'est nuage. Oh mon dieu, je déteste ce niveau. Autant vous dire tout de suite, je ferai sans doute ça en vidéo. Parce que j'en suis déjà à pratiquement 11 minutes. Et que ce niveau est assez long et que c'est le niveau que j'aurais douté le plus dans le cas où je m'en écoute. Comme dans celui-là quoi. Donc je ferai sans doute en deux... putain. En deux vidéos. C'est un niveau qui est assez long, c'est vraiment le niveau hein, que j'aurais douté dans ce cas où je m'en écoute. Si je voulais pas faire ce let's play, c'était avant tout pour ce niveau-là. Voilà. Donc maintenant j'y suis, je savais bien que ça allait arriver un jour ou l'autre. Forcément, tout arrive un jour. Voilà, donc, autant vous prévenir hein, que ce sera... il y aura sans doute une coupe, putain. Quel con. Il y aura sans doute une coupure hein, entre le... dans ce zone. Ça va être un niveau vraiment assez long. Voilà, youpi. Là, ouf, vous voyez qu'on est sur un espèce de château. On est sur une espèce de... comment dire? On est sur une espèce de façade de château là. Où évidemment c'est un château, un espèce de château hanté. Donc forcément il pleut, il fait de l'orage et tout. Hein. Il fait un temps pourri comme dans le nord. Ouais, donc ça, pour l'instant ça va. Il fait beau. Il pleut pas, donc forcément c'est qu'il fait beau. Alors, donc on continue. Là, par contre, il n'y a pas de... ouais, il n'y a pas de checkpoint. Hein. Je regrette vraiment qu'il n'y ait pas de checkpoint là pour moi. Allez, on recommence encore depuis le début. Youpi. C'est génial. C'est génial. Bon, par contre, faut que je fasse vraiment attention à mes vies. Hein, parce que, vu que c'est un niveau que je redoute, j'ai pas envie de perdre toutes mes vies dessus. Donc je ne me casserai pas le cul pour celui-là, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, peut-être à la limite pour certains trucs, mais voilà. Dans l'ensemble, je pense que ça va aller assez vite. Mon objectif premier pour ce niveau, c'est vraiment de le finir. Ça sera déjà pas mal. Vous voyez en plus, qu'il y a des osios, donc là je vais même pas essayer. Je ne vais même pas essayer, je vous le dis, je ne vais pas essayer. Ah, une cartouche de embryo. Donc là, il n'y a toujours pas de save scene. De checkpoint, c'est assez agaçant, parce que si je meurs, je vais devoir tout recommencer au début. Et j'ai vraiment pas envie de recommencer depuis le début tout ça, hein, parce que c'est vraiment agaçant. Et je vais bientôt récupérer une vie en plus. Youpi, yes. Ding, voilà, donc là, je vais pas faire l'effort. Oh là, mon dieu. Attention. Je trouve que... yes, toujours pas de checkpoint, hein, donc je sens que je vais bientôt faire une save state parce que j'ai vraiment bien avancé dans ce niveau et j'ai pas envie de mourir de façon bait. Ouais, je vais faire une save state, hein, autant vous le dire, je vais faire une save state, moi je suis sûr. Oh punaise, mon dieu, foufou. Oh là 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 là. Ça va hyper vite. Hop. Oh, alors bon, heureusement que j'ai fait une low set, hein, écoutez. Hop. Oh, punaise, mince. Donc low set, j'ai bien fait, hein, de faire une safe set parce que là vraiment ça va un peu trop vite et il n'y a toujours pas de checkpoint, hein, donc forcément c'est assez agaçant, hein. Bon, encore heureux que je le fais ici où j'ai la possibilité de faire des checkpoints. Ah bah j'ai enfin un checkpoint ici. Bah putain, il est temps. Excusez-moi pour mon langage un peu grossier. Et oui, là c'est un vrai bug du jeu de ne pas avoir mis de checkpoint avant, quand même. Ah mince, c'est pas non plus comme dans le 2, dans le 3, où quand vous mourrez un peu trop souvent au même endroit, et ben on vous donne comme ça un checkpoint.
Non, il me semble que ça arrive aussi dans le âme, je suis pas sûr. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça a dû arriver peut-être dans ce let's play, je ne sais plus. Je ne sais plus. Là, vous voyez, donc là, c'est vraiment le genre de choses que je déteste dans ce niveau. C'est les plateformes qui bougent, mais de façon totalement incohérente. Donc voilà. C'est totalement incohérent. Et pourtant, je meurs. Encore, hein, vous me direz. Je suis habitué en même temps, donc là, je vais aller récupérer la caisse juste pour la vie. Bon, s'il te plaît. Voilà, c'est tout ça pour la vie. Bing, voilà. En plus, c'est la vingtaine, donc forcément, c'est parfait. Là, c'est vraiment les plateformes qui bougent aléatoirement, donc c'est vraiment agaçant. Allez, en plus, je passe encore en travers, donc c'est génial. Voilà, ça, c'est pas assez. Donc, ça, c'est pas assez aussi. Et je dingue là aussi, c'est super ça, ça n'arrête pas de passer. Yes, yes. Oh punaise. Hop là, attention là, wow. Oh punaise. C'est assez chaud parce que là c'est vraiment des plateformes qui avancent de façon irrégulière. Donc forcément voilà, ah là c'est un peu plus régulier. Là c'est totalement irrégulier, wow, pourtant ça passe. Ne me demandez pas comment j'y arrive, je ne sais absolument pas non plus. Deuxième cartouche de l'embryo. Là, on avance. Oula, attention, main baladeuse ici. Attention, main baladeuse. Donc voilà, attention. Eh, ah yes. Ouais, ah. Ah bah merde, j'ai pas mon masque de Aku. Oula, CF7, oui, vu que c'est un truc de brio justement. En plus, spring, yopi, bah ça commence super bien. Allez, bing, boum. Allez, raté. Donc l'outsect, évidemment. Par-dessus, voilà. Bon, qui va ici, voilà, bravo. Attention. Yes, ça passe, yes. Oh non. Oh non, ça craint. Wow, j'ai été un peu explosé. J'ai comme tu dirais été un peu explosé sur ce coup. Vous voyez en même temps que ça vaut le coup, hein. Il y a beaucoup de vie à récupérer ici, donc forcément je devrais entrer, donc yes. Yopi. Et en plus je récupère encore 3 vies, donc c'est vraiment super, voilà. Donc on va voir Brio qui va s'exploser normalement. Non, toujours pas, il n'a pas envie, trop tard. Et ben écoutez, je reviens dans le niveau forcément classique. Donc là j'ai récupéré également mon Aku, donc c'est super sympa. C'est gentil d'y avoir pensé. Et hop là. Ah, on s'entend également sur son dos, donc je vais quand même faire l'effort de récupérer la vie. Même si je sens que ça va être le fail. Et ben voilà, le fail. Heureusement que j'avais un checkpoint vraiment pas loin, hein, parce que là ça craignait vraiment un peu. Voilà, attention, là je ne vais pas me ca... Oh, punaise, ok. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Bon, après tout, je suis mort, c'est pas grave. J'ai fait le plein de vie, donc c'est pas non plus très dérangeant. Et j'avoue que je m'en sors quand même pas mal. Hein. Donc, après tout, j'aimerais bien quand même voir l'arrivée. Oh, attention, 2, 3, 2 vies, oh là, 4 vies, yes, ils sont arrivés juste là. Et je réussis l'improbable, c'est à faire ce niveau en une vidéo. Et en plus sous la barre des 10 minutes. Yeha, yes, c'est terminé. Oh, on approche quasiment les 20 minutes, donc forcément il est temps de se laisser. Retour à la carte, je vous dis bye bye, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous.